Action. Alors, sur moi, en effet, la veste, c'est tout bon. Polyester recyclé, on est bon. Par contre, le t-shirt, le jean, le caleçon, c'est de la laine, mais il n'est pas recyclé. Les chaussettes et les chaussures, ça fait 5. Ah oui, en effet, la ceinture, 6. Donc, alors, je suis parti. Et vous, avec vos vêtements, vous faites comment ? La boutique s'appelle Swapsa. Enfin, j'ai eu l'idée de la créer en voyant une vidéo sur YouTube d'une Québécoise qui parlait du coup de sa garde-robe minimaliste et qui évoquait du coup une boutique d'échange de vêtements. J'ai voulu créer la boutique parce que je cherchais moi-même une solution pour pouvoir continuer à faire du shopping sans culpabiliser en achetant de la fast fashion, des vêtements qui sont pas très éthiques. Je voulais apporter une solution écologique et accessible pour les personnes qui veulent consommer différemment. Une centaine d'euros par an, je renouvelle mon dressing à l'infini et je n'ai plus besoin d'acheter de vêtements, de dépenser de l'argent inutilement et surtout écologiquement, je suis ravie de mettre ma pierre à l'édifice. L'aspect minimaliste, l'aspect économique et puis du coup forcément l'aspect écologique parce qu'on ne va pas consommer des nouveaux vêtements qui ont été créés alors qu'il en existe plein qui sont comme neufs et qui sont tout à fait métables encore et encore. Tri, ça, sa principale source d'objets et de vêtements, ce sont les déchetteries du Grand Besançon. On récupère tous ces vêtements qu'on ramène au dépôt. On a une très grosse diversité de clientèle, pleinement engagée dans l'économie circulaire et qui ne souhaite plus acheter du neuf. Cette possibilité de pouvoir récupérer des vêtements, de les faire valoriser, ça nous permet déjà de créer de l'emploi. On a un impact sur l'environnement. Mais juste les ressourceries comme les nôtres, on est 170 en France. Les efforts conjugués de tous qui vont faire qu'on sera toujours à moins prendre sur la matière première, hein, notamment le coton qui est très consommateur d'eau, hein, pour arriver à produire tous ces vêtements. Donc c'est vraiment une philosophie globale qui se retrouve à notre petite échelle. Vérité. Alors en famille, on a fait un grand tri dans nos armoires il y a 10 jours à peu près. On a fait la démarche de les emmener au relais. Le relais, on est assez fans.